Bonjour et bienvenue pour notre webinaire Femmes et Santé, les enjeux d'aujourd'hui. Deux questions principales seront abordées lors de cet échange. Quelles sont les spécificités des femmes en matière de santé et quelles recommandations pourrons-nous leur transmettre? Nous sommes en présence d'Élodie Lévy. Bonjour Élodie. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Vous êtes directrice prévention et promotion de la santé chez Aesio Mutuelle. Et nous sommes aussi en présence de Fabienne Ventena. Bonjour Fabienne. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes coordinatrice promotion de la santé à la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine et vous serez notre fil rouge tout au long de cet échange. Élodie, vous êtes là avec nous pour cette introduction et vous serez là pour la conclusion et pour répondre aux questions de ceux qui nous écoutent. Et je précise que vous qui nous écoutez, vous allez pouvoir poser vos questions dans l'onglet consacré tout au long de cet échange. Donc n'hésitez pas, nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Une première question pour vous, Elodie. Pourquoi Aesio s'est emparé de ce sujet? Alors déjà, pourquoi Aesio s'engage dans la prévention santé? Ben parce que nous sommes un acteur de la protection santé et notre rôle, c'est vraiment de placer nos adhérents et leur santé au cœur de nos préoccupations, puisque notre objectif, c'est d'accompagner nos adhérents avant le soin, donc d'accompagner nos adhérents au moment de la prévention, en amont en tout cas de la maladie pour en prévention. Et notre promesse, celle qu'on fait à nos adhérents, c'est de pouvoir vivre mieux longtemps et de pouvoir les accompagner tout au long de leur vie pour qu'ils soient acteurs de leur santé. Donc prévenir, c'est anticiper, c'est être informé, être sensibilisé, être accompagné. Et on a pour objectif, notre enjeu, c'est vraiment d'apporter des réponses les plus personnalisées possibles aux préoccupations de nos adhérents, quel que soit leur âge, quelle que soit leur localisation géographique. Et donc, on est engagé en prévention et chez Aesio Mutuelle, on est vraiment convaincu que les femmes font face à des inégalités d'accès à la santé et qu'elles cumulent souvent des facteurs de vulnérabilité, que ces facteurs soient sociaux, économiques ou familiaux. Donc, on a vraiment choisi depuis la création d'Aesio Mutuelle de nous engager aux côtés des femmes pour agir pour un système de santé plus équitable, mais aussi qui prenne en compte les besoins spécifiques de chacun et de chacune pour pouvoir y apporter des réponses. Donc c'est un enjeu que la mutuelle a choisi aussi d'intégrer dans ses thématiques d'engagement pour les porter. Aujourd'hui, Aesio Mutuelle a trois thématiques d'engagement, dont la santé au féminin. Et c'est un choix qui a été fait au sein du conseil d'administration, donc qui représente les adhérents d'Aesio Mutuelle, pour pouvoir vraiment posé comme un des axes de l'identité d'Aesio Mutuelle de porter cette santé au féminin. Il ne faut pas oublier non plus que parmi nos adhérents, on a 55% d'adhérentes. Donc forcément, le sujet nous préoccupe et nous intéresse. Merci pour ces éclaircissements, Elodie. On vous retrouve à la fin pour À tout à l'heure. à tout à l'heure. On vous retrouve aussi pour répondre aux questions de ceux qui nous écoutent. Et je vous invite à les poser si vous le souhaitez. À tout à l'heure, Elodie. À tout à l'heure. Fabienne, je me tourne vers vous maintenant. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu général de ce que signifie la santé des femmes dans notre société contemporaine? Alors, je vais peut-être définir un petit peu le cadre de ce que ça représente, effectivement, définir que la santé, selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. En fait, c'est une définition qui date d'après-guerre, mais qui est encore d'actualité, qu'on cite partout. C'est la santé, c'est un état de complet bien-être physique, psychique, mental et social. Ça consiste donc pas simplement en l'absence de maladie, d'infirmité. Et puis, bah, les femmes, comme le disait Élodie, qui représentent plus de la moitié de la population française, en fait, il n'est plus de petits garçons, pour dire à tous, il n'est plus de petits garçons, mais les aléas de la vie fait que, bah, finalement, on est 51,5% de la population française. Voilà, suivant l'INSEE, les statistiques INSEE 2019. Donc, en 2023, c'est plus de 35 millions de femmes au sein de la population française.
Et on peut dire aussi qu'on est au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes, qui a lieu, je vous le rappelle, le 8 mars. International, certes, mais on en parle beaucoup aussi en France. Il y a eu des manifestations, etc. Tout simplement parce qu'il y a effectivement des inégalités sociales, sociétales, qui ont un impact sur la santé des femmes. Merci pour cette introduction. Maintenant, est-ce que vous pouvez préciser quelles sont les spécificités des femmes en matière de santé et les risques auxquels elles sont exposées? Bien sûr. Alors, peut-être on va commencer par quelque chose de positif, l'espérance de vie à la naissance. L'espérance de vie à la naissance chez les femmes est supérieure à celle des hommes. On peut espérer en 2023 vivre jusqu'à 86 ans, quasiment 86 ans pour les femmes, c'est 6 ans de moins chez les hommes. Par contre, l'espérance de vie sans incapacité forte est beaucoup plus faible. On est à 77 ans et demi pour les femmes, 4 ans de moins chez les hommes. Ça, c'est des sources de décembre 2023. Par contre, il y a des inégalités, je vous le disais, sociales, sociétales, au travail. 62% des personnes qui touchent le SMIC en France sont des femmes. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les femmes sont plus concernées par le travail à temps partiel et souvent subi. 4 fois plus nombreuses, en tout cas, que les hommes. Or, on sait que la réussite scolaire est plus importante chez les femmes, mais ça ne se répercute pas au niveau professionnel. À la maison, il y a une famille sur 4 qui est monoparentale. La grande majorité, 85%, sont représentés à leur tête par une femme qui élève ses enfants. Et on sait que ces familles monoparentales, 40% d'entre elles, vivent sous le seuil de pauvreté. On peut dire en société aussi que les femmes subissent aussi, on parle beaucoup dans l'actualité, les violences faites aux femmes, le harcèlement, etc. Ça fait partie des sujets d'actualité malheureusement qu'on entend régulièrement. On a constaté également dans les études qu'il y a une égalité de pratique d'activité physique et sportive. Il y a une enquête qui avait été faite entre 15 et 17 ans. Les jeunes filles pratiquent régulièrement à 15% une activité physique et sportive. Pour les garçons, on est à 40%. Pourquoi ces différences? Voilà, on peut dire qu'il y a réellement des approches culturelles, sociétales qui impactent. Pourtant, on pourrait dire que les femmes, on pourrait dire que c'est les gardiennes de la santé de leurs proches. 80% des femmes prennent en charge la santé de leurs proches avant la leur. Et seulement 38% des femmes font un examen de santé régulier. C'est-à-dire ne font pas d'examen de santé chaque année, comme il est préconisé, une analyse de sang complète, prise de tension, etc. Et la plupart aussi repoussent le moment de consulter leur médecin. Et puis, il y a la pratique de l'automédication aussi, qui est en augmentation. Et beaucoup n'écoutent pas les signes de leur corps, disent « bon, ça va passer ». Et ça passe pas toujours. Donc, il y a une moindre prise en compte des spécificités féminines également. Dans tous les essais cliniques pour les nouveaux médicaments, les nouveaux traitements, les essais également pour les protections professionnelles, les protections individuelles professionnelles, c'est randomisé la plupart du temps chez les hommes. On fait très peu d'essais sur les femmes, ce qui fait qu'on adapte les traitements, on adapte les protections pour les femmes. Mais bon, on voit bien qu'il y a une carence là au niveau des essais qui fait que peut-être qu'il y a des difficultés. Il y a une méconnaissance, mais parce qu'il y a peu d'études, sur les risques professionnels des métiers traditionnellement féminins, assistante maternelle, tous les métiers de l'accompagnement, les métiers du ménage, par exemple. Ce qui fait que on ne sait pas s'il y a vraiment beaucoup d'accidents du travail. Et malgré l'information aussi, certains professionnels de santé n'ont pas encore pris la mesure des maux qui touchent les femmes. Oui. Ça veut dire qu'il faudrait prendre le problème à la racine et concevoir une médecine qui soit plus orientée en termes de genre? Oui, tout à fait. Il y a des spécificités. On peut pas prôner l'égalité sans se dire quand même, prendre en compte quand même qu'il y a des spécificités
féminine. Les femmes, d'un point de vue gynécologique, hein, c'est une vie rythmée par des changements hormonaux. Alors, il y a les menstruations, les grossesses, la ménopause, etc. et tout ce que cela entraîne derrière. Sachez qu'une femme sur trois est en précarité menstruelle, c'est-à-dire n'a pas accès aux protections menstruelles régulièrement. Ça veut dire que quand elles ont leur menstruation, ben, elles restent à la maison. Elles ne peuvent pas aller à l'école, elles ne peuvent pas aller au travail parce que les protections menstruelles, ça coûte. Et puis, il y a l'endométriose ou les endométrioses. Vous savez, cette maladie qui fait que les cellules de la muqueuse utérine vont coloniser d'autres organes de notre corps. Et ça, elles vont coloniser au moment des menstruations. Ben, cette maladie était longtemps inconnue et elle est encore méconnue. Et pourtant, il semble qu'une femme sur 10 souffre d'endométriose, mais ne le sait pas. Pas nécessairement, en tout cas. Mais n'empêche qu'on peut reconnaître certains symptômes avec des douleurs pelviennes, des douleurs, des règles douloureuses, etc. Enfin, voilà, de l'infertilité. Tout ça, c'est des symptômes qui devraient alerter les médecins. Et il y a encore, des diagnostics qui se font pas. Or, une endométriose sur 3 pourrait être réglée par des traitements médicaux, chirurgicaux, ou des fois passe aussi tout simplement tout seul. Et puis, on sait que la contraception, c'est aussi encore trop souvent considéré comme une affaire de femme. N'empêche que ça devrait être aussi avant tout l'affaire d'un couple. Une contraception qui n'est pas choisie ni par la femme, parce que très souvent, on propose directement la pilule contraceptive sans avoir forcément proposé les autres moyens de contraception. Une contraception qui n'est pas choisie, pas comprise, pas acceptée par la femme, par le couple, risque d'être un échec. D'ailleurs, on peut s'enorgueillir d'être le pays d'Europe qui a le plus fort taux d'IVG, d'interruption volontaire de grossesse. C'est rentré dans la Constitution. Bon, c'est une victoire. Mais ça montre quand même une réalité, c'est qu'une femme sur 3 a recours à l'IVG dans sa vie et que 2/3 des personnes qui ont recours à l'IVG étaient sous contraceptif. Donc, beaucoup de problèmes. On constate également l'augmentation de certains cancers, des cancers qui sont liés aux habitudes de vie, alimentation déséquilibrée, consommation d'alcool, de tabac, le surpoids, l'obésité. Ces cancers comme le poumon, le foie, le colorectal, le pancréas, etc. sont en nette augmentation, même chez les femmes. On peut dire aussi que les femmes, elles ont une plus grande fragilité par rapport aux toxiques, alcool, tabac, mais aussi les médicaments, les produits d'entretien, les produits cosmétiques, etc. Il y a peu d'études encore réellement faites sur ces questions-là. Entre parenthèses, il y a plus de 26% de femmes qui se déclarent fumeuses régulières. N'empêche que le tabac, c'est un décès sur 5 chez la femme. Donc, c'est quand même une réalité. Et puis, aussi quelque chose qui est une réalité, on appuie là-dessus, c'est les maladies cardiovasculaires qui touchent aussi les femmes, malgré encore ces croyances tenaces qui voudraient qu'on pense que c'est une maladie, plutôt des maladies des hommes. 200 femmes par jour meurent d'une maladie cardiovasculaire. Tout simplement parce que ce sont des symptômes de l'infarctus qui peuvent varier par rapport à l'homme. On pense à l'étau qui enserre la poitrine. N'empêche que ça peut être aussi des difficultés à respirer, des palpitations, un essoufflement aliforme, mais parfois au repos, des grandes fatigues, des nausées, donc des symptômes qui peuvent apparaître sur d'autres problèmes de santé. Et donc, ce qui fait qu'on a une errance de diagnostic, des retards de prise en charge. Tout à l'heure, je vous disais que les femmes n'allaient pas systématiquement chez le médecin quand ça allait pas et que de toute façon beaucoup n'y allaient pas chaque année. Donc des errances de diagnostic, des retards de prise en charge. Et puis bizarrement aussi, certains médecins ne pensent pas systématiquement à prescrire aussi la réadaptation phase 1, phase 2, préconisée quand on a eu des problèmes cardiaques importants.
ne le préconisent pas systématiquement chez les hommes, chez les femmes, alors qu'ils le font chez les hommes. Peut-être parce qu'on pense qu'elles sont plus dociles, que si on leur dit de manger équilibré, d'avoir une activité physique régulière, etc., d'arrêter le tabac, elles vont le faire comme ça aussi facilement. Si je comprends bien, ces diagnostics erronés reposent sur des préjugés, en fait. Oui, on a encore pas mal de préjugés. Les femmes aussi ont des préjugés, hein. C'est pas que, voilà, c'est partagé. Côté, en tout cas, des praticiens, un essoufflement est parfois considéré comme une crise d'angoisse. C'est là qu'il y a nécessité, parfois, C'est ça. d'avoir un autre diagnostic. Et là, le Très préjugé. souvent, voilà, on a mis sur le compte des bouleversements hormonaux, le fait que les femmes soient plus stressées, angoissées, etc., et que forcément, voilà, ça, on psychosomatise. On parlait aussi du mode de vie. On sait également que, par exemple, l'absorption d'alcool chez les hommes est mieux tolérée, entre guillemets, que chez les femmes. Il semblerait que ce soit de même pour les médicaments. Enfin, il y a vraiment des choses à prendre en compte qui ne sont pas suffisamment connues. Tout à fait, tout à fait. C'est le cas même pour l'ensemble des produits toxiques donc, que l'on intègre dans la maison. Hein. Les produits de décoration, etc. Bon, les produits cosmétiques, de maquillage, etc. Et bon, on sait que ça concerne plus les femmes, même si les hommes commencent à nous rattraper. C'est une bonne chose. Quelles recommandations est-ce qu'on peut transmettre aux femmes qui nous écoutent? Alors, on peut agir pour la santé des femmes. Alors, déjà, on va dire qu'au niveau de la société en général, il y a des efforts qui se font, même s'il faut continuer les efforts. Bah, déjà, on peut parler des campagnes de dépistage organisées des cancers. S'il y a des campagnes de dépistage, c'est parce que quand on prend précocement un diagnostic, on peut mettre en place très rapidement des traitements et des traitements qui sont efficaces pour pouvoir entraîner la guérison, voilà, des personnes. Alors, bon, bien sûr, il y a le dépistage du cancer colorectal qui, bien sûr, concerne aussi bien l'homme que la femme. Mais bon, dire que ça existe et le dépistage également du cancer du sein. Ce dépistage organisé, ça veut dire qu'il y a une double lecture par un autre médecin. Donc, c'est bien efficace. Ça veut dire que vous recevez tous les 2 ans une invitation de l'assurance maladie vous invitant à réaliser ces dépistages. C'est entre 50 et 74 ans. Voilà. Donc, pour le colorectal, on vous invite à aller à la pharmacie ou chez votre médecin récupérer votre petit kit de dépistage à faire à la maison. Et puis, bah, pour le cancer du sein, c'est une mammographie qui peut être complétée par une échographie parce que c'est pas toujours facile de lire à la mammographie le tissu. Voilà. Donc, l'échographie complète. Il faut pas s'inquiéter si on vous demande de faire l'échographie en plus. Et puis, il y a le dépistage du col de l'utérus. Alors, c'est tous les 3 ans de 25 à 29 ans. Et puis, c'est tous les 5 ans après jusqu'à de 30 à 65 ans. Voilà. Donc, il faut aller voir son médecin traitant ou le gynécologue. Et puis, il y a tout ce qui existe aussi comme numéro ou comme site, leur tabac info service, alcool info service, qui permettent aussi d'accompagner les gens sur l'arrêt de tabac, poser les questions, les orienter vers des structures locales. Il y a le site Manger Bouger, qui est un site qui est complet, qui est alors très agréable aussi sur l'alimentation, l'activité physique. En plus, qui vous donne des recettes, voilà, et des contacts locaux. C'est la distribution aussi gratuite depuis tout récemment de protection menstruelle. Alors pour les étudiantes du CROUS, dans les épiceries sociales, mais également on peut aussi dire que les jusqu'à 25 ans, des protections périodiques réutilisables peuvent être remboursées par la sécurité sociale. C'est également le cas pour tous les bénéficiaires de protection complémentaire santé solidaire, là, quel que soit l'âge. Dire aussi qu'il y a une meilleure prise en charge de l'endométriose, bah, grâce aussi aux associations d'usagers comme EndoFrance,
qui permettent de sensibiliser et informer alors les usagères que nous sommes de la santé, mais également les professionnels de santé. Rappeler aussi les numéros d'écoute, bah, par exemple le 3919 pour les femmes victimes de violences. Et puis, si on veut préparer, être accompagné aussi pour pratiquer l'activité physique, qu'on a des difficultés à voir où on en est, etc. Vous savez que dans chaque département, maintenant, il y a des maisons sport-santé. Donc, des maisons sport-santé, on peut trouver des informations, déjà faire un point individuel par rapport à notre pratique d'activité physique, nos capacités physiques, et puis être orienté vers les clubs qui sont adaptés. Et sinon, au niveau individuel, et ça, c'est important, au niveau individuel, c'est faire que les femmes puissent dire qu'elles sont une priorité aussi, qu'elles doivent être à l'écoute de leur corps. Alors, penser au sommeil, préserver leur rythme, voilà, c'est se recentrer sur elles-mêmes, c'est oser aborder aussi leur santé. Alors, en société, autour d'elle, mais allez voir aussi le médecin, en parler. Et n'hésitez pas à parler réellement de tous les symptômes, de tout ce qui a changé, de tout ce qui vous tracasse auprès de votre médecin. Il est là pour écouter et de toute façon, il ne va pas raconter votre vie à l'extérieur. C'est entretenir des liens sociaux de qualité. Alors, on arrête de subir et on ne laisse pas subir le harcèlement et la violence. Donc, on est vigilant aussi autour de soi. Et c'est intégrer l'activité physique, voilà, et sportive dans son quotidien. Vous savez qu'on devrait avoir 150 à 300 minutes par semaine d'activité physique modérée, au moins. Voilà. On est loin, hein, des fois. Limiter la sédentarité, là on est assis, mais on pourrait tout à fait être debout, etc. Quand on est au bureau, ben, on a une activité sédentaire, donc on sait que c'est pas bon du tout d'être totalement sédentaire. Alors, quand on est au bureau, ben, faut trouver les solutions d'aller faire une photocopie, d'aller préparer un café, d'aller aux toilettes, d'aller chercher un dossier. Voilà. C'est participer au dépistage, aux vaccinations organisées pour suivre une surveillance médicale régulière. Donc, une fois par an, aller voir son médecin, c'est pas du luxe. Hein. Et reprendre des habitudes de vie saine, alimentation équilibrée. Donc, bon, équilibrée, c'est compliqué des fois à dire, mais ça veut dire, bon, le plus simple possible, éviter les plats préparés, éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Voilà, vous... Et les aliments transformés, c'est pas génial non plus. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux et celles qui nous écoutent et qui ont peur, en fait, parce que ce sont des maladies qui font peur, d'aller se faire dépister, d'obtenir des résultats d'une prise de sang complète? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? C'est important de le faire. Conseiller. Ah oui, c'est conseiller largement. Je vous dis, il faut... Déjà, ça serait bien d'avoir un médecin traitant, mais on sait bien que c'est compliqué de trouver des médecins. On a des déserts médicaux en France, c'est pas, ça se répand, voilà. Donc, n'hésitez pas, voilà, à chercher, à fouiller, à vous faire conseiller. Aussi, bah, il y a le site Amélie qui peut vous aider à chercher des fois des professionnels. N'hésitez pas. Voilà, à prendre des rendez-vous et puis de demander justement des examens. Les prises de tension, ça peut être fait aussi en pharmacie. Voilà, il y a des associations aussi qui mettent en place voilà des réseaux santé. Donc n'hésitez pas aussi à vous tourner vers elles. Tout ce qui est maladie chronique, il faut absolument que ce soit suivi régulièrement. Et là, c'est pas qu'une fois par an, la plupart du temps. Donc oui, il faut faire. C'est important de prendre en compte ça. Quand on parle à l'occasion de dépistage ou de rendez-vous chez des spécialistes, on pense aussi à la précarité économique ou sociale. Quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens d'aller chez le médecin, qu'est-ce qu'on peut lui recommander? Mais justement, déjà, vous êtes auditeur là aujourd'hui, ça veut dire que vous avez une mutuelle. Vous êtes adhérent à AESIO. N'hésitez pas à contacter votre mutuelle. Vous avez des soucis réellement pour pouvoir régler certains frais. C'est ça aussi la force des mutuelles. Peut-être qu'Élodie pourra nous en parler également. Voilà, n'hésitez pas à vous tourner
Bah, en parler aussi aux médecins. Vous pouvez également en parler aux médecins. Et puis, bah, vous tournez vers l'assurance maladie également. Dans la plupart des hôpitaux, il y a des structures, des assistants sociaux, des services qui sont là aussi pour pouvoir faciliter l'accès aux soins. Faut pas hésiter à user aussi de ces dispositifs-là. On parlait de charge mentale, du fait que les femmes, à l'occasion, négligent leur santé au profit de leurs proches. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est comme ça, obligé d'être au four et au moulin? Il faut s'exprimer, il faut mettre des limites, il faut. Comment est-ce qu'on On fait? peut effectivement, quand on voit les familles monoparentales, bah, les limites c'est compliqué parce que les limites c'est les enfants qui vous les mettent et le travail en plus. Bon, quand en plus on voit les gens qui sont très précarisés, c'est la survie, hein. Donc les limites sont compliquées à trouver, mais tournez-vous vers des associations aussi, des associations caritatives, des associations d'usagers qui pourraient vous aider. En tout cas, se dire il ne faut pas rester seul et effectivement, il faut se mettre des limites. Dire, vous êtes dans ce cas-là, très souvent, je vous disais, des passeurs de santé hein, pour vos proches. Vous êtes donc des piliers. Donc les piliers, il faut les conserver, les renforcer pour qu'ils soient solides pour l'ensemble de la société aussi. Donc pensez à vous, certes, mais ça veut dire que si vous pensez à vous, vous pensez aussi aux autres. Donc, essayez de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Là, quand c'est pas possible, j'ai besoin de sommeil, faut dormir. On peut préciser aussi que parfois on est invité par la CPAM à des bilans complets. Oui, Finalement, on peut tout aussi à faire fait. un sur la Vous santé. faites bien de me le rappeler, effectivement. Il y a les centres régionaux d'examen de santé qui proposent des bilans complets. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers l'assurance maladie si on ne vous l'a pas proposé pour pouvoir bénéficier de ce bilan complet qui est totalement gratuit, qui vous permet sur en général une matinée de faire un bilan complet avec plusieurs professionnels de santé, dépistage bucco-dentaire. Alors, c'est que du dépistage, hein, mais au moins ça permet de faire le point. Ils ne vont pas mettre en place de soins derrière, mais ça permet de faire le point par rapport à sa santé. Vous avez l'électrocardiogramme, enfin plein plein d'examens, des bilans de sang. Ça permet de faire le point sur sa santé et de voir vers qui se tourner dans le cas où on a des problèmes de santé. J'ai l'impression qu'il y a des dangers aussi auxquels sont confrontées les femmes. C'est cette idée que, peut-être les hommes aussi, que ça va passer quand on a un symptôme qui persiste. Tout à fait. Franchement, il faut s'écouter, quoi. C'est aussi la consigne. Exactement. Faut prendre le temps de s'écouter parce que ben, un symptôme qui passe pas, ça peut être grave. Donc voilà, vraiment, vous voyez que certains symptômes paraissent bénins, des nausées, une grande fatigue, ça va peut-être passer. Oui, mais si ça passe pas très rapidement, peut-être qu'il faudra aller consulter rapidement. Et puis, si vraiment vous avez des problèmes aussi, il y a des DAC, les dispositifs d'accompagnement et de coordination, qui sont des dispositifs dans chaque département qui peuvent accompagner aussi sur les parcours de santé qui sont un peu compliqués, donc qui peuvent vous orienter, vous aider également dans l'accès aux soins. De même, si on a le sentiment de ne pas être pris au sérieux par un médecin, il faut demander un deuxième diagnostic. C'est Ah oui, aussi une si recommandation. on a la possibilité, effectivement, c'est vrai qu'on sait que des fois les spécialistes, des fois les plannings sont un peu complets. Vous avez des fois bah, c'est pas grave. Prenez le rendez-vous, contactez un autre et puis si vous arrivez à avoir un rendez-vous plus tôt, supprimez le premier rendez-vous que vous aviez pris. Des fois, les Merci. trucs, c'est aussi d'aller voir dans le département et la région d'à côté. C'est pas une possibilité. Merci d'avoir mis en lumière l'ensemble de ces recommandations, Fabienne. Avant de passer aux questions, j'invite Elodie à venir nous parler des dispositifs prévention
prévention santé promue par Aesio Mutuelle. Tout à fait. Merci Stéphane. Merci beaucoup Fabienne pour cette intervention. Aujourd'hui, Aesio Mutuelle, dans l'offre de prévention qu'elle apporte à ses adhérents, a fait le choix de promouvoir, de sensibiliser sur les thématiques, Fabienne, que vous avez évoquées, hein, les facteurs de protection des maladies chroniques, les dépistages organisés du cancer. Voilà, ça fait partie des thématiques qu'on souhaite aborder avec nos adhérentes. Dans l'offre que l'on propose, il y a les bilans individuels qu'on peut proposer à nos adhérentes. Vous le disiez tout à l'heure, les femmes prennent moins soin d'elles que de leur famille. Donc, ce sont des temps dédiés qu'on leur propose, soit en agence, soit par téléphone, pour faire un point avec un professionnel, en termes avec une diététicienne, sur l'alimentation, faire un bilan de forme avec un coach en activité physique adaptée, faire le point sur son sommeil, faire le point sur son bien-être de manière globale, faire le point aussi sur la santé de sa famille. Ce sont des entretiens qu'on peut proposer à nos adhérentes. On propose également des cycles d'ateliers, alors qui se font essentiellement à distance via la plateforme sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Des cycles d'ateliers pour préserver sa santé mentale, mieux gérer ses émotions grâce à la sophrologie, alléger sa charge mentale grâce à la sophrologie ou à la cohérence cardiaque. Voilà, ce sont des thématiques que l'on peut aborder sur plusieurs ateliers en petits groupes, qui permet aussi de se sentir moins seul, de déstigmatiser un peu les sentiments ou la culpabilité qu'on peut avoir. C'est normal de ressentir une charge mentale, même si on aime beaucoup sa famille, mais voilà, de pouvoir un peu lâcher prise. Des cycles d'ateliers également pour parler des facteurs de protection des maladies chroniques. On l'a dit tout à l'heure, hein, les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité chez la femme. Donc, agir en amont et agir sur les facteurs de protection dont vous parliez tout à l'heure, Fabienne, l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, le bien-être, la gestion du stress, c'est important. Et donc, on propose des cycles d'ateliers aux femmes sur ces thématiques. On essaye d'agir aussi auprès de nos entreprises adhérentes sur des thématiques, vous parliez d'endométriose. C'est un sujet assez fort pour nous, l'endométriose, qui reste une maladie taboue. Donc, on essaye d'agir et d'outiller nos entreprises adhérentes pour pouvoir justement libérer la parole dans le milieu professionnel autour de cette maladie. Vous le disiez, Fabienne, une femme sur 10, 7 ans d'errance thérapeutique en moyenne avant d'arriver à un diagnostic. Et c'est aussi beaucoup de souffrance à la maison, mais aussi au travail. Beaucoup de souffrance parce qu'on n'ose pas en parler, beaucoup de souffrance parce qu'on n'ose pas partager à un manager, à des collègues. Donc, des outils pour nos entreprises adhérentes, pour les aider à aborder le sujet au sein de leur structure, que ce soit auprès des femmes, mais aussi auprès des hommes, parce que si une femme sur 10 est touchée, ça veut dire que potentiellement tout le monde autour de cette conférence peut avoir un proche, une proche touchée par la maladie. On propose aussi des cycles d'ateliers sur mieux gérer la souffrance autour de l'endométriose, voilà, grâce à la sophrologie par exemple. Vous parliez tout à l'heure de la ménopause, qui est une étape assez bouleversante pour les femmes. On propose des cycles d'ateliers sur ce sujet-là pour, encore une fois, hein, faire du partage d'expérience, pouvoir identifier les petits trucs et astuces vraiment concrètes pour mieux vivre cette étape. On propose également des communications auprès de nos adhérents sur les 3 dépistages organisés du cancer. Alors, Mars Bleu, vous le disiez, ce n'est pas réservé aux femmes, mais les femmes sont concernées par cette période de dépistage organisé du cancer colorectal. On prend la parole auprès de nos adhérentes aussi au moment de juin vert sur les cancers gynécologiques et sur octobre rose sur le cancer du sein. Voilà, on a ce rôle aussi de nous adresser à nos adhérentes pour évoquer l'importance du dépistage organisé qui permet de réduire le risque de maladie et en tout cas qui permet de prendre le plus tôt possible la maladie quand elle est détectée. Donc ça, c'est une offre qui est à destination de nos adhérentes, mais on agit aussi en tant qu'acteur de santé auprès du grand public sur des actions de sensibilisation.
Donc, ces actions peuvent être proposées en agence pour les adhérents et les non-adhérents, typiquement des animations autour du massage assis pour permettre aux femmes voilà, d'aborder les sujets autour de leur charge mentale, les sensibilisations autour des dépistages organisés du cancer. On a pu, par cette initiative, on a pu proposer, par exemple, des stands d'autopalpation des seins pour, justement, dans le cadre du dépistage du cancer du sein. Et puis, on intervient aussi dans le cadre des activités dans les territoires. Notamment, on a beaucoup de partenariats avec des courses roses qui nous permettent de proposer des stands de prévention primaire. Hein, on est vraiment sur de la sensibilisation, mais autour, voilà, des courses roses pour aussi parler du dépistage et de la sensibilisation au cancer du sein. On travaille également avec notamment les clubs cœur et santé, avec la fondation Agir pour le cœur des femmes qui organise une tournée du bus du cœur pour pouvoir proposer des dépistages autour justement des maladies cardiovasculaires et notamment auprès des femmes qui sont éloignées des parcours de soins. On travaille aussi sur les sujets autour de la cinquantaine, donc on propose des animations et des actions de sensibilisation. Et j'ai gardé alors je vais pas dire le meilleur, mais le petit dernier pour la fin de cette présentation que je vous partage. On vient de lancer pour la deuxième année consécutive le Tour de France du seul en scène de Sabrina Nani, qui est une actrice très engagée sur le sujet des cancers gynécologiques. Sabrina, elle a fait de son expérience un seul en scène, un spectacle qui s'appelle Ex Utero, qui nous permet de sensibiliser à l'importance de la vaccination HPV et au dépistage organisé des cancers gynécologiques. C'est un seul en scène qui a commencé à tourner et qui va tourner jusqu'au mois de juin partout en France, qui est porté par Aesio Mutuel, qui est porté par nos élus qui sont engagés dans les territoires autour des démarches de prévention et de sensibilisation que l'on souhaite faire. Et puis un dernier petit sujet autour justement de la cinquantaine. On va lancer dans les prochaines semaines un appel à contribution de nos adhérentes autour du sujet 50 ans un âge clé, parce qu'on a envie de connaître la vie et les expériences, avoir un partage d'expériences de nos adhérentes sur le sujet. Donc parmi ceux qui nous suivent, si vous êtes adhérente au sein d'Aesio Mutuel, n'hésitez pas à aller regarder dans la newsletter qui est proposée aux familles au mois de mai et dans la newsletter qui est proposée aux femmes au mois de juin. Il va y avoir le lancement de cet appel à contribution. N'hésitez pas à partager, parce que c'est aussi en ayant vos ressentis, en ayant vos retours d'expérience, qu'on pourra aussi adapter cette offre et répondre réellement aux problématiques de cette étape dans la vie des femmes. Je voulais juste préciser une petite chose. Toutes les actions que l'on propose, si vous êtes adhérente, vous pouvez avoir accès à toutes nos informations dans votre espace adhérent, dans la rubrique « Mes services Prévaesio ». Et si vous n'êtes pas adhérent, vous pouvez avoir accès à la programmation des actions non réservées aux adhérents sur le site ensemble.aesio.fr. Sinon, vous pouvez aussi adhérer à Aesio Mutuel pour bénéficier de cette offre de prévention. Merci, Elodie. J'ai le sentiment que sur certaines actions, il s'agit de dédramatiser en fait ces questions de santé et de prévention. Alors, de dédramatiser et surtout d'informer, parce que souvent, on est seul avec ces problématiques. Fabienne, vous le disiez tout à l'heure, hein, je me sens fatiguée, j'ai des nausées, ben forcément ça va passer, c'est quelque chose que j'ai mangé sûrement hier. Demain, il y a l'activité de mes enfants, je dois emmener le petit chez le médecin et puis le grand à son cours de sport. On verra bien ce week-end si j'ai encore mal quelque part. Donc il y a un vrai enjeu autour de l'information pour que les femmes soient conscientes de ce qu'elles ressentent et la conscience de faire attention à elles, en fait. En tout cas, vous tentez de donner plusieurs manières d'aborder les sujets. Il y a une volonté d'être créatif, en fait, dans cette prévention.
Alors oui, la volonté d'être créatif, parce qu'on sait quand on reçoit des messages, vous devez faire ci, vous devez faire ça, on sait que ça fonctionne pas forcément, hein, on rentre la prévention dans un agenda qui est déjà souvent chargé pour les femmes. Donc l'idée, c'est aussi d'interpeller. Le seul en scène de Sabrina Nani, c'est par exemple une manière plutôt innovante d'aborder ces sujets-là. Et on voit que ça fonctionne parce qu'on fait un petit pas de côté, parce qu'on essaye aussi toutes les modalités, tous les moyens pour permettre à nos adhérentes d'avoir accès à ces dispositifs. Moi, en tant que maman active, ben, par exemple, le midi, j'ai pas forcément le temps de participer à des webinaires. Par contre, proposer des replays, ben, ça me permet, quand les enfants sont couchés, de pouvoir y avoir accès. Voilà, l'objectif pour nous, c'est d'aborder le plus de sujets possible et dans des modalités les plus larges possibles pour permettre à chacun finalement de capitaliser sur cette offre quand on le souhaite et comme on le souhaite. Il y a aussi des actions un peu indirectes, puisqu'il y a notamment une collaboration avec la Fondation Stéphanie Fugain, qui fait que là aussi, vous avez un impact de prévention santé. Oui, alors la fondation portée par Stéphanie Fugain, qui Portée par s'appelle la Stéphanie. fondation Laurette Fugain, effectivement, hein, qui aborde le sujet des cancers du sang et qui aborde aussi les dons de vie. On a un partenariat aussi avec EndoFrance, qui est une association de patientes atteintes d'endométriose. On a un partenariat avec Imagine, qui est une association de patientes atteintes de cancer gynécologique. C'est aussi s'associer à des structures qui sont expertes sur les sujets, et c'est important. On n'est pas chez Aesio Mutuel, on n'est pas des professionnels de santé, on est des professionnels de la prévention santé. Et pour garantir la véracité des messages que l'on porte auprès de nos adhérents ou du grand public, on a ce devoir de recourir à des experts. Donc déjà, ces partenariats avec ces associations nous permettent de recourir à des experts sur les sujets. Et c'est aussi une manière de valoriser les actions qu'ils portent, les actions que nous on porte. Et ça permet d'avoir finalement dans les territoires des actions plus larges sur lesquelles on peut communiquer et pour lesquelles nos adhérents et le grand public peuvent prendre part. Est-ce que Aesio Mutuel milite entre guillemets pour une médecine du genre, comme Claire Mounier-Vaillet, qui est à l'origine du bus du cœur, peut le faire? Est-ce qu'il y a vraiment aussi une volonté d'aller dans ce sens, Alors, Aesio Mutuel? aujourd'hui, au sein d'Aesio Mutuelle, on s'attache à accompagner nos adhérents, quel que soit leur âge, quel que soit leur genre. Hein, je le disais en introduction, on est là pour accompagner nos adhérents tout au long de leur parcours de vie. Pour autant, c'est ce que je disais en introduction, on est vraiment convaincu qu'il y a un sujet autour de la santé au féminin. Et c'est vraiment, on ne va pas mettre de côté les hommes, on ne va pas mettre de côté une Le partie de genre. nos adhérents. Pour autant, on a bien conscience que, et c'est ce que vous disiez Fabienne tout à l'heure, hein, on a bien conscience que on parle pas de la santé de la même manière aux hommes qu'aux femmes. Donc c'est à nous aussi d'adapter nos discours, d'adapter notre offre de prévention pour pouvoir finalement servir la santé de tous, les hommes, mais aussi les femmes, dans les particularités que ça peut avoir. Typiquement, je le disais tout à l'heure, parler du sujet de la ménopause. C'est un sujet qui nous tient à cœur parce que c'est un sujet dont on ne parle pas forcément, c'est un sujet tabou et c'est un sujet qui ne parle pas forcément aux hommes, en tout cas de manière directe. Pour autant, ça a des conséquences sur la vie des hommes, la ménopause dans la vie d'une femme. Et c'est vraiment de cette manière-là dont on veut finalement traiter les sujets autour de la santé des femmes. C'est pour elles-mêmes, mais aussi pour son entourage. Donc, on embarque aussi, si je peux me permettre, on embarque aussi les maris, les conjoints, les familles et les enfants. D'autant que cette médecine du genre, elle s'applique aussi aux hommes, puisqu'ils peuvent être touchés par un cancer du sein, Tout ils à peuvent être fait. touchés par l'ostéoporose. Donc, c'est bénéfique pour tout le monde, finalement, Tout à fait. c'est Tout à constat. fait. Que l'on soit touché ou pour son entourage. Merci, Elodie, pour ces informations. Nous avons maintenant 15 minutes pour répondre aux questions qui nous ont été posées le long de cet échange.
Donc, je commence par celle-ci. Aizio pourrait peut-être créer une infographie pour les femmes sur les examens à faire chaque année, avec une pédagogie bienveillante, peut-être même avoir un service dédié. Il est difficile d'avoir des médecins non expéditifs. Alors, sur le sujet des médecins, pour le coup, je ne pourrais pas faire grand-chose. Pour autant, on a créé un outil qui est une petite capsule digitale sur justement les facteurs de protection des maladies chroniques qui s'appelle Rester en bonne santé, qui propose des petits outils un peu ludiques autour de l'alimentation, autour de l'activité physique, autour notamment aussi de la gestion du stress. Et dans cette petite capsule digitale, on a par profil, donc hommes, femmes et en fonction des âges, tous les rappels autour des rendez-vous médicaux. Le médecin généraliste, tous les contrôles, pardon, les rendez-vous de contrôle une fois par an avec son gynéco, par exemple. On a vraiment cet outil qui nous permet de faire une petite checklist parce qu'on n'y pense pas forcément. Pour nos adhérents, on a cette proposition qui leur permet aussi de checker qui pour les parents, qui pour le conjoint, qui pour les enfants. Il y a une question qui est comment est-ce qu'on peut savoir de quel dispositif on bénéficie quand on est client à Aizio? Alors, quand on est adhérent à Aizio, on bénéficie en inclusion dans son contrat, quel qu'il soit, de tout ce service de prévention qui s'appelle PrévAizio. Donc, il ne faut pas hésiter, ce que je disais tout à l'heure, hein, il ne faut pas hésiter à aller dans son espace adhérent, de cliquer dans Mes services. Et dans Mes services, vous avez un petit pavé qui s'appelle PrévAizio et qui vous donne accès à des liens pour identifier toute la programmation des actions qui peuvent être proposées dans les territoires, à distance, et aussi de pouvoir s'inscrire à nos dispositifs d'accompagnement sur le sujet du cancer. Alors, ce n'est pas réservé aux femmes, mais les femmes sont aussi touchées et peuvent bénéficier de ce dispositif, qui est un dispositif dans notre jargon qui s'appelle de prévention tertiaire. On accompagne la maladie et l'idée de ce dispositif qui s'appelle Ensemble contre le crabe, c'est de pouvoir donner des informations vraiment pratiques, souvent des informations qu'on n'ose pas forcément poser, des questions qu'on n'ose pas forcément poser au corps médical parce qu'on a peur de déranger, parce qu'on se dit que ce sont des sujets qui sont finalement pas si importants. On parle de cancer et vacances, on parle de cancer et fratrie, on peut parler de sexualité, d'alimentation, d'activité physique. Ce dispositif, bah, vous pouvez vous inscrire via justement cet espace, dans l'espace prévention, via cette page PrévAizio dans la partie Mes services. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir dans l'espace adhérent. Une autre question, les entreprises adhérentes peuvent-elles solliciter Aizio pour des interventions ou ateliers en entreprise sur le territoire? Si oui, comment Alors, faut-il s'y prendre? oui, on peut. Donc, on a une déclinaison hein, de PrévAizio pour nos entreprises adhérentes pour les accompagner sur les enjeux de santé au travail. Donc, je vais le faire très rapidement. On a trois niveaux d'accompagnement pour nos entreprises adhérentes, dont le premier niveau est en inclusion, qui nous permet d'outiller nos entreprises adhérentes. Et après, sur des interventions en entreprise, directement au sein de l'entreprise, on est sur de la participation financière de nos entreprises pour pouvoir leur proposer des dispositifs qui soient vraiment adaptés à leurs besoins. Et dans ces cas-là, il ne faut surtout pas hésiter à vous rapprocher du conseiller, du collègue du réseau commercial qui suit l'entreprise, qui mettra en contact avec l'équipe prévention qui gère toute la partie santé au travail. Vous pouvez aller aussi sur le site aesio.fr. Il y a une description plus complète de notre offre d'accompagnement des entreprises. Une autre question, avez-vous déjà pensé à proposer des actions de sensibilisation et d'information sur les droits des femmes victimes d'agressions? Alors, c'est un sujet qu'on a déjà abordé en entreprise sur les violences faites aux femmes et la discrimination au sein du milieu professionnel. Après, effectivement, ce n'est pas forcément un sujet qu'on aborde sur nos actions de prévention, qui sont des actions de prévention santé, même si on sait hein, que les conséquences sur la santé des femmes sont plus que présentes dans ces sujets.
C'est vrai que à ce jour, on ne l'a pas encore proposé. Mais ça peut, on peut l'intégrer effectivement dans nos réflexions pour les années prochaines. On a ici une petite précision concernant le dispositif de la CPM qui propose mon bilan prévention entre 45 et 50 ans, un temps d'échange dédié à la prévention en santé. Il vous permet d'échanger avec un professionnel de santé sur vos habitudes. Mon bilan prévention est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Merci Sandrine pour cette précision. Une autre question, comment fait-on lorsqu'on n'a plus de médecin traitant et aucun médecin qui souhaite prendre en charge de nouveaux patients alors qu'on a un besoin impératif d'un suivi médical régulier? C'est un gros problème, effectivement. On n'a pas trouvé réellement de solution. Il faut s'adresser réellement à toutes les portes possibles. Et puis, contacter les hôpitaux aussi qui peuvent, si vous voyez un spécialiste, qui peut peut-être vous orienter. Mais c'est vrai que c'est un gros problème de santé avec des, pas que les médecins d'ailleurs, hein, pas que les médecins généralistes, je veux dire, hein, ça peut être des infirmiers aussi libéraux, etc., où parfois c'est très compliqué de trouver un praticien qui prend encore des nouveaux patients. Les bilans proposés par l'assurance maladie sont-ils ouverts à tous? Oui, a priori. Comment faire? Aesio en propose-t-elle? On a déjà répondu plus ou moins à ces questions. Et je crois qu'on a fait le tour des questions qui ont été posées par les uns et par les autres. Non. Ici, peut-être une précision. En plus du bilan proposé par l'assurance maladie, il existe ceux par certaines caisses de retraite et prévoyances qui sont complémentaires. Oui, merci, c'est vrai. Pour cette précision. Je continue d'écouter, de regarder, de lire en même temps. Pourquoi les mutuelles ne participent-elles pas à l'aide d'une activité physique? Il me semble qu'il y a des ateliers qui sont proposés par Aesio Mutuelle en ligne. Alors, tout à fait. Ce sont des choix hein, qui sont faits par les mutuelles, par les assurances aussi, de financer ou pas le recours à une activité physique. Nous, on a fait le choix de proposer plutôt ce soutien dans le cadre de notre offre de prévention qui nous permet aussi d'aborder les sujets autour de l'activité physique adaptée parce que on peut pratiquer une activité physique quand on est malade, on peut et il faut surtout pratiquer une activité physique quand on est senior et nos enjeux sont vraiment on a fait le choix de porter nos enjeux sur la prévention et de travailler sur l'activité physique adaptée dans le cadre de notre offre de prévention. Pensez-vous qu'un jour, la prescription de l'activité physique pour vaincre l'obésité... Oups, la question est partie ailleurs. De l'activité physique pour vaincre l'obésité et aussi les douleurs dues aux maladies auto-immunes seront prises en charge? Alors, il y a un dispositif, je ne sais pas, Fabienne, si vous voulez... Il y a le dispositif PEPS, prescription d'exercice physique pour la santé. Ça commence à se développer. Alors, normalement, ces prescriptions, c'est par un médecin qui repère des patients atteints de maladies chroniques, sédentaires, en surpoids, etc. Et qui peut prescrire ces activités. Donc, ça veut dire qu'on s'adresse là, dans ce cas-là, à un coordinateur PEPS qui vous oriente, qui va vous proposer un entretien motivationnel, un entretien également pour voir où vous en êtes avec l'activité physique, vous proposer éventuellement aussi de faire des tests physiques pour ensuite vous proposer ensuite, après ce bilan, des passerelles. L'accès à des passerelles, ça veut dire que pendant au moins 3 mois, on vous propose de l'activité physique adaptée. Ces dispositifs-là sont gratuits, sont pris en charge par l'Agence régionale de santé en général. N'hésitez pas. De toute façon, je vous ai parlé tout à l'heure des maisons sport santé, travaille également avec ses coordinateurs PEPS. Et vous pouvez tout à fait vous adresser à eux pour avoir plus d'informations. Peut-être me permets, pardon, oui, pour compléter les propos de Fabienne, le dispositif du sport sur ordonnance est un dispositif qui s'ouvre à toutes les personnes atteintes de maladies chroniques et qui permettent aux médecins
traitant de prescrire non pas que des médicaments, mais aussi de prescrire une activité physique adaptée. Donc n'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant qui les médecins traitants aujourd'hui n'ont pas forcément alors le temps ou le réflexe de parler du sport sur ordonnance, mais vous pouvez en parler à votre médecin qui pourra vous prescrire du sport sur ordonnance et vous orienter vers des structures. Alors après, ça dépend des territoires, ça dépend les villes dans lesquelles vous habitez qui ont développé ou pas des dispositifs d'accompagnement de ce sport sur ordonnance, mais ça vaut le coup quand même d'en parler au médecin traitant pour évoquer le sujet avec lui. Alors une autre remarque qui va dans le sens des problèmes de contraception dont on parlait tout à l'heure, le syndrome des anticorps antiphospholipides qui entraîne des embolies, des thromboses lors de la prise de la pilule et d'autres médicaments a de gros problèmes au niveau de la grossesse. C'est un problème qui n'est pas médiatisé. Fabienne, est-ce que vous en aviez entendu parler? Pas particulièrement, non. Moi non plus, je suis pas professionnelle de santé, mais c'est vrai que de plus en plus, voilà, les gynécologues font plus attention aussi aux prescriptions de certaines pilules, troisième génération, etc., qui étaient plus à risque pour de faire développer des maladies cardiovasculaires, des problèmes de santé en général. Donc voilà, il y a plus de précautions qui sont prises par les gynécologues pour la prescription de certaines contraceptions orales. Une autre remarque, le gouvernement vient de rejeter le congé pour règles douloureuses, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il y a quand même des mesures gouvernementales qui ont été prises dernièrement. Oui, voilà, c'est vrai qu'on en parle, c'est vrai qu'on a certains voisins, les Espagnols ont proposé cela. Il y a des pour et des contre encore en France, en se disant que si on met en place ces congés-là, ça risque d'être encore un frein dans la carrière professionnelle des femmes, comme le fait d'avoir des grossesses, d'avoir des enfants, etc., et des risques d'arrêt du fait des infections de nos enfants, etc. Donc, bon, il y a des pour et des contre, et pour l'instant, ben voilà, c'est encore en discussion, voilà, c'est pas rentré. Notre remarque, on l'a évoqué en cardiologie, il semble que les symptômes de l'infarctus soient moins évidents chez les femmes. C'est vrai que vous l'avez évoqué, effectivement. Il y a bien d'autres symptômes qui peuvent apparaître, apparaître anodins, passer de façon anodine parce que ça va ressembler finalement à tout ce qui est bouleversement hormonal, symptômes de déséquilibre hormonaux avec des nausées, une grande fatigue. Et peut-être que ça pourrait être un signe aussi de maladie cardiovasculaire qui s'installe et d'AVC ou d'infarctus. Donc, faire attention effectivement à tous ces petits symptômes qui paraissent anodins parce que peut-être que c'est un signe. Une autre question, la crise sanitaire liée au Covid a-t-elle aggravé la situation chez les femmes? Chez les femmes comme chez les hommes, hein, partout. On voit bien qu'il y a un recul. De toute façon, c'est les accès. On voit aujourd'hui qu'il y a encore un retard dans les hôpitaux sans plaigne. Hein. On constatait ça, que finalement, ils ont un retard sur les consultations, etc. Parce que les gens ne s'adressent plus trop, finalement, aux professionnels de santé. Il y a peut-être eu une méfiance, peut-être trop de médecins d'un seul coup dans les médias partout. Je ne saurais dire réellement quelle est. Il y a plusieurs facteurs, quoi. Mais effectivement, le Covid a changé des choses. Une petite remarque intéressante, dans les régions pauvres en gynéco, ne pas hésiter à s'adresser aux sages-femmes exerçant à titre libéral. Oui, tout à fait. On termine avec une dernière question, qui est combien de temps dure ce webinaire? Il dure une heure. Voilà. On arrive au terme de ce webinaire. Vous allez recevoir, vous qui nous avez écouté, un questionnaire de satisfaction par mail pour répondre mieux à vos attentes. Merci Elodie, merci Fabienne d'avoir animé ce webinaire. Merci pour vos interventions et votre contribution. Merci aussi à Sabrina et Aurore qui ont organisé ce temps d'échange. Merci à vous de nous avoir écoutés. Bel après-midi et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.